Well, welcome to this third ever podcast, Annika Lucas. I am very excited today to be here. You can see this is not a regular Zoom recording. I actually traveled very far to be here with my next guest, and very proud and honored to be able to interview her. So again, I want to be able to put these podcasts out free for everyone. So it would be wonderful if you could support this effort. And meanwhile, I am very happy to introduce our guest. So I have read her book. Her name is Chantal Frey. Her book was written in German, but it was translated in English. Called Speaking Out, and it is really a very important book. Chantal is a survivor who is very eloquent, and she has great understanding of how the network works. And I found her book myself. I learned things from her book and how the network operates, and she has a beautiful way of mixing the very difficult experiences of her life with how the network actually operates, so that you get a clear view of how it works. So I highly recommend that you read her book to learn more about SRA. And Chantal and I have spoken before, and I'm very happy to introduce you. Hello, Annika Lucas. Alors, je suis très contente de te voir. On s'est parlé en français parce que mon anglais, malheureusement, n'est pas encore très bien. Je suis en train d'apprendre encore beaucoup plus. Mais voilà, je préfère parler le français avec toi. Je suis tout heureuse que tu parles le français. Oui, bien sûr. Oui, pas de problème. On a commencé à se parler en allemand, bien sûr, et pour moi, c'est un peu difficile de continuer en allemand, so on le fait en français, merci beaucoup. c'est un grand honneur pour moi de pouvoir parler avec toi, et je veux aussi qu'on sache que c'est vraiment très spécial, parce que même que tu as écrit ce livre, même que tu as fait des entretiens et que tu étais déjà sur certaines vidéos qu'on peut trouver, que tu as aussi ton channel de YouTube. Hein? C'est ça, oui. Ouais. Oui. Que quand même, tu ne t'es jamais montré le visage avant. Non. J'avais pris cette décision de ne pas me montrer au départ quand j'ai fait sortir mon livre. Voilà, pour des raisons privées, pour des raisons de sécurité surtout aussi. Bien sûr. Mais entre-temps, j'ai pu beaucoup mieux me connecter avec des personnes aussi qui me donnent une certaine sécurité. Et aussi du côté de mes malfaiteurs, donc du côté des criminels, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Il y a aussi des personnes qui sont décédées, des personnes qui m'étaient très proches et dont effectivement je me faisais beaucoup menacer. Et j'ai décidé. Ils sont morts. Ils sont morts, ouais, ils sont morts, ils sont décédés. Et donc voilà. Et maintenant, je montre mon visage. Et en plus de ça, même aussi ça, montrer mon visage, ça me donne encore une fois plus de sécurité. Plus si les gens me connaissent, voilà. Oui. C'est ça. Même qu'on sait très bien que chaque chose qu'on fait, on se met toujours en danger. Ça, je veux aussi quand même reconnaître le courage qu'il faut pour que tu sois là avec moi aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Oui. Alors, j'ai lu ton livre une fois et demie. J'ai pas eu le temps de repasser tout, mais peut-être on peut commencer parce que je trouve que c'est très clair comment tu décris les faits de ton passé. Est-ce que tu pourrais, dans tes mots, peut-être nous donner une idée de ta vie et comment ça se fait que tu parles maintenant, que tu dévoiles maintenant ce que tu as vécu? Oui, alors en fait,
C'est assez intéressant parce que pendant beaucoup, beaucoup d'années, je ne savais pas, enfin, je savais, oui, mais je n'étais pas consciente de mener une double vie, en fait. Mais je la menais, effectivement. Bien sûr, j'ai eu un tas de questions que je me posais, mais je n'étais pas consciente de ça. Et en fait, cette double vie, elle a commencé quand j'étais déjà toute petite fille. Je ne sais pas exactement à quel âge. Mes premiers souvenirs datent peut-être 2 ans et demi. Peut-être que j'avais 2 ans ou bien 3 ans. Je ne sais pas exactement. Dans un sens, je menais une vie tout à fait normale, comme des autres enfants, comme des autres adolescents, ou bien des adultes aussi. Mais à côté, ou parallèlement, pendant la nuit, ou pendant les vacances, ou pendant les week-ends, je me faisais abuser, je me faisais violer, je participais à des rituels sataniques aussi, parce que j'étais prise dans un groupe qui, eux, effectivement, avaient cette religion à l'arrière, donc cette religion satanique. Pas tout le monde là, mais le groupe où moi j'ai été emmenée, ils avaient cette religion satanique à l'arrière. Donc ça se passait en fait parallèlement à ma vie extérieure. J'appelle ça ma vie extérieure, ou ma vie quotidienne, ma vie de tous les jours. Et vu que la plupart des choses qui se passaient étaient tellement traumatiques, j'avais complètement dissocié ces parties traumatiques. Donc justement, comme je disais avant, je ne me souvenais plus. Je savais à quelque part, mais je n'en étais pas consciente. Alors, j'ai appris cette dissociation quand j'étais déjà toute petite et ça faisait partie de ma vie normale. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal que quand quelque chose m'arrivait dessus qui était inconfortable pour moi, je dissociais. Et j'ai été apte à dissocier déjà depuis le tout, tout jeune âge. Et c'était, bien sûr, c'est une survie, c'est une forme de survie, mais ça faisait partie de mon quotidien. C'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à très, très, très tard dans ma vie, d'ailleurs. Et en fait, quand j'ai réalisé que je dissociais tellement, je suis partie à la recherche de mon histoire, de mes racines, de ce qui s'était passé. Et quand j'ai remarqué qu'effectivement, c'était vrai, les souvenirs que j'avais, j'ai commencé à en parler. Je me suis dit, il faut que j'en parle, ça va pas autrement. Il faut que les gens sachent, parce que je sais que ça continue aujourd'hui et qu'il y a toujours encore des enfants, des adolescents et des personnes âgées qui souffrent de ça et qui sont emprisonnés dans ces réseaux, sataniques ou autres. Oui. Ouais. Alors, comment est-ce que ça t'est revenu d'abord? Comment est-ce que tu as pris conscience que le fait que tu dissociais, alors, comment est-ce que tu as commencé à poser des questions comme ça et comment tu as commencé ta recherche? Et aussi, avec ça, comment, quand tu as fait cette recherche, comment est-ce que tu as su que c'était réel? Un tas de questions. Oui. Oui. J'ai pas eu le jour tel et tel où je me suis dit « Ah, ça y est, j'ai dissocié. Maintenant, il faut que je commence à faire des recherches. » C'est un processus. D'accord. Qui est venu pendant plusieurs années. Oui. D'abord, j'ai réalisé que quelque chose clochait avec moi. D'accord. Enfin, que j'étais un petit peu autrement que les autres, que les autres personnes. Mm. Ou bien que les autres jeunes femmes de mon âge à l'époque. Je me disais « Mais bon... » Ils ressentent un petit peu les choses autrement que moi. Justement aussi par rapport à la sexualité, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bien. Je n'y prenais pas plaisir. Je réagissais d'une façon... pas normale, quoi. Oui. Enfin, tout à fait différente que les autres personnes. Et j'ai commencé à me demander ce qui se passait. Donc là, j'ai déjà réalisé que j'étais autrement que les autres et je me demandais pourquoi. D'accord.
Et ça, c'était déjà un processus pour nous plusieurs années. D'accord, oui. Et réaliser que tu es différente, quoi. Voilà. Il y a quelque chose qui cloche pas. Voilà, voilà. Voilà. Et que j'avais des cauchemars la nuit. Des cauchemars la nuit. Alors, voilà. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Donc, les cauchemars, est-ce que c'était en fait des mémoires? Je pense qu'en partie, oui. Ouais. Mais j'avais aussi des cauchemars. Enfin, moi, je voyais des symboles aussi. Ouais. Et je sais, encore aujourd'hui, je ne sais pas exactement est-ce que c'était des choses que j'ai vues ou bien est-ce que c'était mon intérieur qui voulait me révéler quelque chose. D'accord. Ça, je ne sais pas. Mais je sais que c'était des cauchemars. Mmh. Ça, je me souviens. Et j'ai encore certaines images en mémoire de ces cauchemars. Et qu'encore aujourd'hui, ça me fait quelque chose dans mon intérieur. Encore aujourd'hui. Et est-ce que ça irait de peut-être décrire une de ces images? Oui, c'est assez difficile. Je ne sais pas si on va comprendre, parce que pour moi, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Mais peut-être pour toi, pas du tout, parce qu'en fait, c'est justement quelque chose de très symbolique. Mm-hmm. Alors, il y a une des images, par exemple, qui est toujours, toujours revenue pendant toute mon enfance, mon adolescence, et même maintenant, quand j'ai des moments où je me sens pas bien, où j'ai quelque chose qui me stresse dans ma vie ou comme ça, c'est une image qui me revient pendant la nuit. Et en fait, je voyais une grande... C'est comme une grande motte de terre, hein? Un peu comme ça, comme un ballon. Et je voyais un fil rouge qui descendait du ciel. Mais ce ciel, ce n'était pas le ciel comme nous, on le voit à l'extérieur, un ciel bleu comme ça. C'était un trou noir, c'était sombre, c'était noir, il n'y avait rien. Mais il y avait ce fil rouge qui sortait de ce trou noir, de ce rien, et qui descendait, mais d'une lenteur, mais je ne peux pas t'expliquer, une lenteur, mais effroyable. Vraiment, j'avais l'effroi, mais je voyais ce fil rouge qui descendait sur cette motte de terre, et je ne savais pas pourquoi, j'avais énormément peur de ce fil rouge. Et il descendait très, 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 très lentement, et à un moment donné, c'était comme un couteau, comme une lame de couteau, et ça casser cette motte de terre en deux parties. D'accord. Et ces deux mottes de terre tombaient ensuite aussi dans ce trou noir, dans ce rien. En fait, c'est ce trou noir, ce rien, ce absolument rien qui me faisait peur. D'accord. Tellement. D'accord. Parce que ce n'est pas un rien paisible, c'est un rien avec une menace. Voilà, ouais. Voilà. Ouais. C'est difficile à expliquer, hein. Non, une mode de terre, symbole, mais c'est ah, voilà. Oui, c'est un symbole, mais c'est-à-dire que ça t'a effrayé. Énormément. Un cauchemar. C'était, ouais. Et donc, tu mets d'où ça vient, quoi. D'où voilà. Ça vient. Voilà, exactement. Et comment est-ce que ça a commencé à avoir des mémoires ou des flashbacks Alors, en fait... Je suis tombée malade. Mm-hmm. Toujours, j'ai eu beaucoup de fois où mon corps a réagi après avec des douleurs ou comme ça. Et je suis tombée tellement malade que j'ai eu des douleurs que je n'arrivais pas non plus à m'expliquer. Bon, ça, de toute façon, c'était toujours un peu des douleurs que je n'arrivais pas à m'expliquer, ou bien des gros bleus, ou bien les mains enflent, comme ça, des choses comme ça, que je ne savais pas d'où ça venait. Et j'ai eu des douleurs et ces douleurs ne sont plus parties. Alors j'ai pris des médicaments, j'ai eu des piqûres et tout, mais c'est resté ces douleurs. Et finalement, je me suis effondrée. Ça m'a vraiment pris toute mon énergie et je me suis effondrée. Et là, je me suis dit, bon, bah, alors j'ai besoin peut-être d'un peu de repos. À l'époque, j'avais aussi des petits-enfants. Et je travaillais la nuit et le jour j'avais les petits-enfants. Je me disais, bon, ben, peut-être que je me suis surmenée. Et je suis partie, je voulais me payer 2-3 semaines de vacances, enfin, voilà, pour prendre un peu de repos. Et là, j'ai eu des mémoires. C'était des flashbacks, en forme de flashback et aussi en forme de rêve. J'ai eu des mémoires par rapport à des viols, des abus sexuels.
certaines tortures, comme ça, je n'arrivais pas tellement à voir. J'arrivais pas, parce que je ne savais pas pourquoi j'avais ces images, ces flashbacks. Je ne savais pas à l'époque ce que c'était des flashbacks. Oui. Mais c'est ce que j'avais, et je dormais plus, j'étais tout en sueur, je me réveillais 3-4 fois la nuit, je devais changer mon lit. J'étais comme une... en sueur, mais voilà, ça dégoulinait tellement j'étais en sueur. Et après, j'ai commencé à voir des objets autour, j'ai commencé à voir le lit, j'ai commencé à voir la chambre et tout, et j'ai reconnu que c'était ma chambre d'enfant, ou bien une autre chambre, une autre pièce que je connaissais bien. Et je voyais une personne, des fois j'en voyais deux, comme ça. Et à la fin, ben là, voilà, j'ai reconnu en tout cas une des personnes, et c'était mon père. Donc le père, quand je parle de mon père, c'est le père, c'est mes parents, ce sont mes éducateurs. Je les appelle les éducateurs parce que je ne pense pas que ce soient mes vrais parents. Là, j'ai une histoire à l'arrière. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore tout trouvé. Mais en tout cas, je sais que ce ne sont pas mes vrais parents. Ouais. Et même quelques mémoires là autour, mais... Oui, c'est un grand sens que les gens qui t'ont élevé, en fait, que comme ça se fait souvent dans le réseau, on donne un nouveau-né à des éducateurs. Voilà. Qui sont des satanistes. Voilà. Qui gardent l'enfant, qui vont élever l'enfant pour l'introduire dans cette vie. Exactement, ouais. Exactement. Ils ont leurs règles d'éducation, comment est-ce qu'il faut élever les enfants dans ces cultes sataniques. Pour leurs propres enfants ou des enfants qui leur ont été donnés pour l'éducation. Ouais. Exactement, oui. Oui, mais en fait, justement, là, alors j'ai eu mes premières mémoires, comment je me faisais abuser et maltraiter de mon père. Et c'est là que ça a commencé, en fait, avec les mémoires. Oui. Parce que les mémoires, c'est vraiment, c'est pas de l'inceste seulement. C'est pas seulement de l'inceste, mais au départ, je pense que mon âme voulait seulement me montrer une partie, je n'arrivais pas à supporter beaucoup plus. Oui. Je voyais l'inceste, et oui, certaines autres pratiques aussi, qui n'étaient pas seulement l'inceste et tout. Je supposais aussi qu'il y avait déjà eu d'autres personnes, mais je n'arrivais pas vraiment encore à regarder, ou je ne voulais pas non plus regarder. Je ne voulais pas. Oui, bien sûr. Ouais. Pourquoi est-ce que tu voudrais regarder? Voilà. Hein? Voilà. C'est trop bizarre, c'est trop extrême, ça fait trop mal. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Mais je savais, à ce moment-là, je savais toujours qu'il y avait encore plus. Mm-hmm. Je savais ça. Mm-hmm. Je savais. Mais... je suis tombée tellement malade, j'étais pendant plusieurs années, j'ai eu de très très graves dépressions, avec aussi les programmes suicidaires qui ont commencé à fonctionner, j'ai essayé de me prendre plusieurs fois la vie, je décris ça aussi dans mon livre d'ailleurs. Oui. Et oui, pour être un petit peu courtement, voilà, je veux dire, après 5-6 ans de dépression très 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 grave, que j'ai réussi gentiment à m'en ressortir un petit peu, à me stabiliser, j'avais pas envie de savoir plus. Je savais qu'il y avait plus, mais je me disais, alors pourvu que je sois à nouveau stable, ok, je sais, il y a eu de l'inceste, ok, il y a eu des viols, peut-être qu'il y a encore eu d'autres personnes qui étaient impliquées, mais voilà, c'est du passé, pourvu que moi je sois stable, j'avais des enfants aussi à élever. Voilà, je voulais reprendre mon travail, je voulais avoir une vie. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et pourquoi pas, hein? Oui, pourquoi pas, il n'y a rien de mal, c'est clair, oui. Ouais. Mais je savais toujours, dès ce moment-là, je savais toujours qu'il y a eu plus. Il y a eu plus. Oui, ouais. Mais ce plus, je ne savais pas encore vraiment ce que c'était. Mm-hmm. Mais voilà, c'était surtout par rapport aussi... Mon père, il possédait un petit bus, un VV, il avait des outils dedans parce qu'il était mécanicien à l'époque. Et je voyais toujours à l'intérieur de moi-même, je voyais ce petit bus bleu, il était bleu, et je voyais la porte de ce bus. Et je savais
que si moi, dans ma mémoire, j'ouvrais la porte de ce bus, je savais qu'il y aurait plus derrière cette porte. Ça, je savais. Mais j'ai pris cette décision de laisser cette porte fermée. On peut faire ça. Oui. On peut faire ça. Oui. Oui, à qui je le raconte. Non, mais c'était important parce que je comprends très bien que tu avais des enfants. Mmh. Et même si tu es dépressive, c'est peut-être mieux d'être dépressive en tant que mère que d'être bombardée avec des mémoires tellement extrêmes, quoi. Hein? Oui. Que tu savais que tu devais être là pour eux aussi. Oui. Ouais. Oui. Mais oui. Je comprends complètement et je comprends aussi, bien sûr, que je crois qu'il n'y a personne qui veut rentrer dans ces mémoires. On ne veut pas. Non, non. On ne veut pas. C'est pas. Tu sais qu'il y avait plus, il y avait déjà l'intuition qui disait qu'il y a plus. Hein, mm-hmm. Ce n'est pas de la fantaisie. Mais là, c'est très normal. Même quand on parle de ce qu'on est arrivé, on comprend que c'est très, très dur pour beaucoup de gens à vraiment accepter. Mais c'est un peu la même chose pour nous. Mm-hmm. C'était très, 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 très dur pour accepter la vérité pour nous aussi. On a voulu d'être normal. Oui, oui. Et tu avais une vie aussi très normale, soi-disant, en tant qu'infirmière. Mmh, tout à infirmière fait, ouais. Avec une famille, alors voilà. Rien de plus normal. Mmh. Mais est-ce que dans ce temps, est-ce que tu te faisais toujours, est-ce que tu faisais toujours partie Alors malheureusement, oui, parce que effectivement, j'étais mariée avec un de mes bourreaux. Donc, c'était mon entraîneur aussi dans ce culte satanique, parce que mon mariage avait été arrangé, oui. Ce que je ne savais pas à l'époque. Oui. Mais alors là, justement, oui, je me faisais encore utiliser. Oui. Oui. Mmh. Donc, alors, ça a duré très longtemps. Ouais. Oui, je comprends, je comprends. Et comment alors est-ce que tu sais où est le point où ça s'est arrêté et où est-ce que tu as ouvert la porte du bus de ton père? Oui, oui. C'était quand mes enfants ont quitté la maison. Voilà. Oui, bien sûr. Hein? Mais j'étais en plein travail, donc voilà, ma vie normale de tous les jours. Mais j'avais plus de temps pour moi et j'ai aussi eu de nouveau quelques souffrances corporelles à ce moment-là. Donc, ce qui m'a fait que je travaillais pendant quelques semaines, je n'ai pas pu travailler, mais j'avais mon travail qui me plaisait beaucoup d'ailleurs. Et pendant quelques semaines, j'étais à la maison parce que j'étais malade. Et mes enfants sont partis et j'avais plus de temps pour moi. Voilà. Et en fait, là, j'ai pris la décision presque naïve, naïve d'un côté. À ce moment-là, j'ai dit, bon, ok, alors maintenant je vais ouvrir cette porte. Et moi, je suis croyante et j'ai dit à Dieu, comme ça, j'ai dit, bon, d'accord, Dieu, allez, je vais ouvrir cette porte avec toi ensemble, j'y vais avec toi ensemble. Hein, comme ça, je ne suis pas seule. Allez, on va ouvrir cette porte, je suis d'accord. Et là... Et là, c'était comme une immense cascade d'eau qui m'arrivait dessus. Alors, j'aurais quand même pas pu imaginer ce qu'elle m'arrivait dessus. Alors, vraiment pas. Mais c'est vraiment, j'ouvre la porte et paf, il y a tout qui m'est venu. Et ça, c'est fou, hein. C'est quand même fou comme on arrive à dissocier toutes ces choses. Mais comme quand elles reviennent, ces images qui viennent, les images, elles ne sont pas complètes au début, mais elles sont tellement claires, oui. Avec tous les détails, oui. Avec toutes les senteurs, avec toutes les émotions. Oui, il n'y a pas de doute. Non. C'est très clair. Il y a pas de doute sur les images. Il y a un doute au début, en tout cas au début, pour moi, il y avait un doute. Je me disais, ce n'est pas possible, je n'ai pas pu vivre ça, c'est impossible. Oui. Alors moi, j'ai commencé... Toujours, moi aussi d'ailleurs. Chaque fois qu'il y a une nouvelle mémoire, d'abord, la première réaction, c'est non, c'est pas possible. Voilà. Toujours, hein. Ouais. Ouais. Et on essaie toujours de trouver des preuves pour
dire « Ah non, 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 ça, c'était pas comme ça, ça n'a pas pu se passer comme ça, oui. Ou bien non. Hein? » Ouais. C'est toujours la première réaction. Ouais. Ouais. Mais après, quand justement, effectivement, j'ai trouvé, par exemple, cette cave que j'avais en mémoire, c'est une des premières mémoires que j'ai eues par rapport au rituel, pas par rapport à l'inceste et à l'abus, mais par rapport au rituel. C'était une des caves où j'ai été souvent emmenée quand j'étais enfant. Et quand j'ai retrouvé cette cave et cette chapelle où ça s'est passé... Et tu savais exactement où aller. Oui. Et tu savais, là, il y a la... Hein, c'est même en photo dans ton livre. Oui, hein. J'ai même les photos, oui. Ouais. Alors, mais tu savais exactement où c'était. Exactement. Exactement. Et là, tout d'un coup, comment est-ce que tu pourrais savoir qu'il y a un trou couvert, mm-hmm. là, et que là, c'est là où tu rentrais dans la cave de cette église? Oui. Oui. Je ne pouvais pas savoir. Oui. C'était... Oui, je pouvais savoir parce que je l'avais vécu, justement. Exactement. Oui. Exactement. Et ça, c'est des choses... C'est des détails que, mm-hmm. normalement, on ne le sait pas non. du tout. Non. On n'y pense jamais. Non. Oui, voilà. Non. J'ai eu d'autres choses aussi qui ne se, qui sont pas écrites dans le livre, où j'ai été chercher un endroit. C'était en fait la tombe d'un garçon qu'ils avaient tué dans un rituel. Et je savais exactement, quelque part dans la forêt, où il y a un grand tas de pierres, enfin tout un mur de pierres. Et je savais exactement, je dois aller là tout droit, encore quelques mètres. Et ensuite, il y a un petit muret qui va venir dans la forêt, un petit muret avec des pierres. Et là, il va falloir que je tourne à droite et tout. J'ai été comme impliquée. Je savais exactement où je devais passer. Et est-ce que tu as trouvé le corps ? Et je l'ai trouvé. Non, je n'ai pas trouvé le corps. Mais tu savais où était oui. le corps ? Oui. Parce oui. que la mémoire était là. Voilà. Du garçon. Mmh. Oui. Encore une autre chose qui est dure à croire pour beaucoup de personnes, que tellement d'enfants se font... Tué. Oui. On dit toujours « Ah, d'où viennent ces enfants ?» et tout ça, lorsque des enfants viennent de partout. Il oui. n'y a même pas de... Je sais que ça dépend de pays, mais je sais qu'en Belgique, par exemple, il n'y avait jamais eu de numéro officiel des enfants manqués, par exemple. Mm-hmm. Alors, il fallait mm-hmm. aller par district. De district à district, mais alors pour avoir cette info, c'est, il faut un travail dingue et on répond pas de toute façon. Alors je sais que c'était quelque chose que des journalistes qui travaillaient sur le cas du trou, ils ont essayé d'avoir un sens de combien d'enfants qui se font kidnapper, par exemple, mm-hmm. ou qui sont disparus, mm-hmm. alors qu'il n'y a pas de nombre officiel. Je sais qu'il y a des enfants qui sont... C'est leurs parents, quoi. C'était dans mon cas, qu'il y avait des enfants, là, que les parents, ils savaient qu'ils pouvaient perdre leurs enfants. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Tout à fait. Oui. Oui. Ouais. Oui, et donc, oui, je voulais parler un peu des choses qui te sont arrivées et un peu comment ça a marché, hein, parce que, donc, tu décris dans le livre, tu étais donc emmenée en Belgique en mmh. tant que petite fille. Oui. Et le château des Amérois, hein, oui. Mother of Darkness Castle. C'est ça, oui. Oui. Mmh. Est-ce que... Enfin, je ne sais pas, tu n'as pas besoin, mais est-ce que tu pourrais peut-être raconter un petit peu de ce qui s'est passé là et ce qui s'est passé après ? Mmh. Oui, alors justement, c'était, j'ai été emmenée là-bas, je devais avoir autour des 6 ans. Et j'ai dû prendre parti à une chasse aux enfants. C'est aussi quelque chose qu'on entend assez souvent, les chasses aux enfants. Oui. Parce qu'autour du château, il y a beaucoup de forêts. Oui. Qui, je ne sais pas si c'est le territoire du château. Je pense que ça fait partie du château, je ne sais pas exactement. Mais oui. Et en tout cas, je me souviens...
qu'il y avait peut-être, il n'y en avait pas énormément beaucoup, peut-être une quinzaine d'enfants par là. Une quinzaine d'enfants. Oui, une quinzaine, je pense. Et je me souviens qu'on a tous dû se déshabiller et qu'on a reçu une paire de chaussures beige, brun beige. Mais des chaussures avec lesquelles on pouvait bien marcher, bien courir. Oui. Ouais. Et voilà, on nous a dit qu'on allait jouer la chasse. Nue. Oui, nue, bien ouais. sûr, nue. Quand même. Mm-hmm. Et c'était en plein jour. Pas normal. Ouais. C'était en plein jour. Oui, ouais, oui. D'accord. Alors, pas de souci, là. C'était pas pendant la nuit ou comme ça. Ouais. Non, non, c'était en plein Mais jour. Mais vous hein. étiez quand même nue, alors. On n'était pas nus. Normal non plus. C'était pas un jeu normal. Non. Ouais. Mais c'était. On t'avait envoyé. C'était des camps de vacances. C'était un camp de vacances. Camp de vacances, ouais. Mais là, tu te retrouves Château des Amarois, voilà. En Belgique, qui de toute façon est un château qui est immense, qui fait peur juste en le regardant. Oui, ouais. Oui, ouais. Oui. Mmh. Tout à fait, oui. Et oui, donc en fait, on était dans la forêt, là, et on a commencé à nous tirer dessus. Avec des fusils, des pistolets, je ne sais pas quoi exactement, mais en fait... Est-ce que tu as un sens de combien de chasseurs il y avait ? Non, je n'ai pas. Non, juste qu'il y avait des coups, beaucoup de coups. Il y avait beaucoup de coups, oui. Et je me souviens de la peur, de cette détresse. Et quand on est enfant, on n'arrive pas à décrire ce qui se passe là. Non. On n'arrive pas à dire « Oh, attention, il y a quelqu'un qui me tire dessus ». Ça pourrait me coûter ma vie, faut que je me cache ou comme ça. Non, c'est pas des pensées qu'on a dans la tête à ce moment-là. C'est juste la peur, mais qu'on n'arrive pas à décrire. Mmh, oui, oui. La panique. La panique. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On court. Mais les coups venaient de partout. Ça venait de partout. Oui, ça venait de partout. C'est un peu comme, je sais pas, ouais, ben comme à la chasse. Comme on entend les coups de partout avec les chiens et tout. Voilà. Ah, il y avait des chiens aussi. Voilà. Mm-hmm. Ouais. Et est-ce que tu as vu des choses ? Comment des choses ? Ouais, quand tu courais, hein, tu étais là, tu étais victime. Est-ce que tu as vu d'autres choses se passer pendant que tu courais, par exemple ? Alors, je me souviens de ce qui s'est passé à moi. Je me souviens de ce qui s'est passé à un autre petit garçon de mon âge aussi. Oui. Et les autres enfants, j'ai un souvenir flou, très flou. Okay. Mais ce que je me souviens exactement, c'est qu'après, donc moi j'ai survécu. Oui. Avec le petit garçon. Avec oui. le petit garçon. Je me souviens après d'avoir vu un tas de souillés. De ces souillés bruns, beige, avant. Voilà. Et les autres enfants, je ne les ai plus vus. Mais toi, tu t'es fait quand même blesser. Moi, je me suis fait blesser. Dans ouais. la jambe. Ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a la... Je porte la cicatrice. La cicatrice. Ouais. Mmh. Oui, donc je me suis fait tirer dessus. Et moi, je me suis cachée dans un trou. Dans cette forêt, il y avait comme des trous. Et c'était rempli avec des feuilles mortes. Et en fait, moi, j'ai fait le plongeon là-dedans. Et justement, c'est ce petit garçon, un petit garçon qui a aussi survécu. On était les deux sur le même chemin en train de courir. Et lui, il me fait comme ça, bon, ben, allez, cache-toi là-dedans. Donc, c'était l'automne, en fait. Non, c'était pas en automne. Ça devait être en été, mais il y a quand même beaucoup beaucoup de feuilles. D'accord. Ouais. Oui. Et moi j'ai plongé dans ce tas de feuilles pour me cacher. Oui, enfin ou bien j'étais blessée aussi donc de toute façon j'arrivais plus à courir de toute façon et je suis restée dans ce tas de feuilles. Je sais pas exactement combien de temps. Le prochain souvenir, c'était effectivement quand j'étais de nouveau dans la cour de... Je me suis retrouvée dans la cour vers le château. Je ne sais pas si c'était le soir ou bien le soir d'après. Ça, je ne sais pas. Oui.
Je ne sais pas, mais je me suis retrouvée dans cette cour de château et j'étais blessée, donc je saignais, j'avais mal et tout. J'étais toujours encore nue. Et là, voilà, ils m'ont vue. Et c'était comme... Je dis ça, c'était, j'avais pas fait un examen. Et l'examen, je l'avais passé parce que j'avais survécu à ça. Ouais. J'avais trouvé un moyen de survivre. Je ne sais pas si eux, ils savaient comment est-ce que j'avais survécu, mais j'avais survécu et j'avais passé cet examen-là. Oui. Oui. Et là, il y avait cette femme belge. Hein? Oui. Je me rappelle, je l'ai vue aussi. Non. Je l'ai vue aussi. Tu veux révéler son nom? Est-ce que ça... Oui. Tu n'as pas besoin. Oui, bon, dans le livre, je la nomme Marie de la Croix. Oui. Mais ce n'est pas son vrai nom. Hein. Oui. C'était la princesse Windisch Gretz. Oui. Ouais. Oui. C'était une des personnes qui était là-bas, oui, c'est ça. Oui. Une des personnes. Une des personnes, oui. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Non. Enfin, moi, je ne me souviens pas beaucoup. Je me souviens de trois personnes. Oui. Peut-être qu'il y en avait encore des autres, mais ces trois personnes, c'était les trois personnes principales qui jouaient ce rôle. D'accord. Ils parlaient aussi. Ouais. 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 Alors, ils ont, toi et l'autre garçon qui était aussi, qui avait aussi survécu. En fait, ils vous ont abusé, les c'est deux. Ça. Ouais. Et après, ils vous ont mis ensemble. Ouais. Et après, on t'a donné l'honneur. Ouais. Ouais. De faire une éducation. Enfin, de faire comme une sorte d'apprentissage, une sorte d'école dans leur école du réseau, dans l'école satanique. Ouais. Ils ont décidé à ce moment-là de faire de moi une Mother of Darkness. Et je pense aussi que ça a un petit peu à faire avec le vœu que j'avais à l'intérieur de moi déjà quand j'étais toute petite fille. Je voulais absolument devenir maman une fois, mère de famille. C'était mon grand vœu. Oui. Et je pense que c'est aussi un petit peu par rapport à ça. Enfin, je suppose parce que ils regardent quand même la nature des enfants. Absolument. Et ils savent qui c'est qui est devant eux. Absolument. Donc, absolument. Voilà. Alors que moi, je suis la petite artiste, alors ils allaient faire une artiste. Voilà. Voilà. Et de moi, ils ont fait une mère. Ouais. Mais Mother of Darkness, alors c'est en fait, c'est tout l'instinct de mère, oui. Que de même la petite fille qui joue avec les poupées, c'est complètement perverti. Oui. 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 Alors, cette éducation, c'était le mind control. C'est ça, ouais. Oui. Et ils utilisaient... est-ce que c'était dans un certain endroit où tu es resté un certain temps ou est-ce que c'était de temps en temps, ici et là Alors, je me souviens vraiment que j'ai passé des camps. Vu de l'extérieur, c'était j'allais dans des camps de vélo, des camps de sport, des camps de... Voilà, d'autres choses. Et il y avait tout le temps quelqu'un de ma famille dans ces camps parce que j'avais vraiment une grande parenté dans ce culte satanique. Et il y avait toujours cousins, cousines. Voilà, j'avais tout le temps des gens de la famille qui venaient avec. Je peux pas dire si tout le monde, vraiment tout le monde était impliqué. Ça, je peux pas dire, encore aujourd'hui pas. Mais j'étais enveloppée toujours de part et partout. Donc j'allais dans un camp de vacances et voilà, j'étais entraînée à quelque part d'autre pour avoir ces éducations, soit avec des électrochocs, soit des autres choses. C'était aussi des camps où on passait des journées aussi à jouer ou je sais pas, à prendre le déjeuner, à prendre le souper ensemble, à chanter des chants, des choses comme ça, mais c'était tout du mind control, c'était tout perverti. Donc c'était, voilà, c'était cette éducation satanique. Oui. Et par devant, il y avait l'autre camp, normal,
le camp de vélo, par exemple, où il y avait les souvenirs, où il y avait des photos, où il y avait des autres enfants qui nous avaient vus, enfin, qui m'avaient vu, moi. C'était donc la couverture. Et par derrière, on se faisait entraîner à d'autres endroits. Et bien sûr, le camp de vacances en Belgique, c'était aussi un camp. Mais là, une des trois personnes que tu as reconnues, c'était Renée. Oui. Et donc, Renée, c'était en fait, un an après, votre famille a déménagé. Voilà. Et vous êtes, en fait, vous avez habité juste en dessous de lui, Renée, qui en fait était le chef de... Voilà, c'est ça. Des adorateurs du soleil, le culte, en fait. Oui. Et tu disais, il y avait d'autres membres qui ne savaient pas, qui n'étaient pas sataniques, mais il y avait certains, un nombre de ces membres de ce culte, inclus le chef, qui en fait était satanique, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Donc le quartier où j'habitais... Oui, en Suisse. En Suisse, oui. Donc au départ, j'habitais vers Genève. Et ensuite, on a déménagé dans le canton de Vaud. Et on est arrivé dans un quartier avec... Dans ce quartier, il y avait cette secte, les Adorateurs du Soleil. Et ce René, oui, c'était le chef de cette secte des Adorateurs du Soleil, qui était aussi une des personnes qui m'avait introduit dans cette éducation de Mother of Darkness, qui était là-bas au Champagne. Ah, d'accord, d'accord. Oui. Il t'a éduqué aussi, alors il est resté. Il est resté. Oui. C'était mon entraîneur. Mm-hmm. Mm-hmm. Il était déjà là, donc c'est tout du planning. C'est tout du planning, oui. Mm-hmm. Et donc, quand on dit le mind control et les camps de vélo ou le camp de quoi que ce soit, est-ce que c'était toujours en Suisse ou est-ce que c'était dans d'autres endroits aussi? Alors, les camps qui couvraient les autres camps, c'était en Suisse. D'accord. Oui. Mais par derrière, justement, j'étais emmenée en Belgique, justement, au château des Amérois. J'ai été en Allemagne aussi, assez souvent en Allemagne. Je me suis fait aussi emmener en Amérique, donc jusqu'à la Maison-Blanche, ce qui est très difficile aussi à croire, je sais, mais... Non, ouais, c'est la vérité. C'est la vérité, oui. Oui. Mais tu n'es pas la seule non plus de parler d'avoir été emmenée dans la Maison-Blanche. Il y avait le cas Franklin dans les années 80, de toute façon, aux États-Unis, où c'était exactement ça. C'était les années 80, où j'ai des bonnes mémoires des encore. Bush, voilà. Dans les années Bush. Non, moi j'ai eu... Clinton. Clinton, il est venu plus tard. Oui. Clinton, je l'ai aussi rencontré, mais il est venu plus tard. D'accord. Mm. D'accord. Mais ce n'était pas la famille Bush qui était, en fait, le président, ce n'était pas Bush. À l'époque, donc, il y a une des mémoires que j'écris là-dedans, c'était Jimmy Carter. Ah, d'accord. Mm-hmm. Qui était abuseur aussi. Oui. D'accord. Mm-hmm. D'accord. Ouais. Ils n'échappent pas, les présidents. Non. Ils font tous partie d'une façon ou d'une autre. Hein. Ouais. Je ne crois pas que c'est possible de devenir président des États-Unis sans en fait être complètement impliqué. Ça, c'est mon opinion. Oui, oui. Moi, je parle des cas où je sais vraiment les personnes que j'ai rencontrées. Oui. Oui. Oui, bien sûr que j'ai mon opinion là-dessus, mais bien voilà. Bien sûr, voilà. Moi, je passe mon opinion. Oui. Mais alors, si tu te fais emmener à la Maison Blanche, ça, c'était pas le training. C'était plus du training. C'était toujours combiné avec le training. D'accord. C'était aussi, parce que j'avais reçu des ordres de faire certaines choses. Hein. C'était... ce qu'on devait toujours faire de toute façon, c'était toujours le sexe, hein, à chaque reprise. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, c'était toujours tout était combiné avec le sexe. Oui. Donc, ça, c'est. Ouais. Je ris, c'est pas drôle, mais je ris dans le sens que
En fait, oui, n'importe quel rôle, n'importe quelle personne avec qui je parle, n'importe quel était leur rôle, mm-hmm. c'était toujours combiné avec le sexe. Voilà, voilà. Ouais. Mm-hmm. Oui, c'est fou, mais moi aussi, je commence à en rire. Et c'est tellement grave, mais dans un sens, c'est quelque chose de tellement incompréhensiblement bête. Exactement, exactement. Oui. Exactement, ce sont tous des accrochés complets. Voilà. Et en fait, à cause de cet accrochement, ils peuvent tous faire du chantage, entre autres. Voilà. Mais c'est ça, hein, c'est toujours l'accrochement du sexe. Mais en fait, oui, c'est bête, ouais. Mm-hmm. C'est banal. Mm-hmm. C'est banal, ouais. En fin de compte. Ouais. Il y a quelque chose de très banal là-dedans, ouais. D'horriblement banal, vraiment. Mais aussi horrible. Oui. Hein, horrible aussi. Oui. Hein. Avec une intelligence derrière, oui. qui en fait, c'est là, je crois, la raison pour laquelle c'est tellement difficile à croire, c'est que pourquoi est-ce que quelqu'un de telle intelligence, d'apparence, de toute façon, hein, qui est très... Pourquoi utiliser cette intelligence pour des choses tellement bêtes, voilà. Voilà, oui. Mais ça a de nouveau à faire avec le mind control, c'est clair. Parce que toujours garder... La victime, toujours la traumatiser, et chaque viol est de nouveau un traumatique de plus, et encore un. Donc toujours la garder en bas. Oui. Jamais lui laisser de répit, jamais laisser un moment de soleil. Moi je disais toujours, j'ai aussi le droit d'avoir ma place au soleil. Hein? Mais non! C'est pas permis d'avoir sa place au soleil. Donc, il faut toujours... Et un des moyens, c'est d'abuser, c'est le viol, c'est le sexe, etc. Ça, c'est un des moyens. Oui. Mm-hmm. Oui. Alors, c'était plusieurs... Tu avais... Donc, quand tu te faisais amener là-bas, c'était par training. Pour moi, pareil d'ailleurs. Mm-hmm. C'était toujours combiné. Il n'y avait jamais juste une chose. Mm-hmm. L'exploitation, ça ne se fait jamais juste une chose. C'est toujours mm-hmm. plusieurs choses à la fois. Ouais. Alors là aussi, est-ce que tu parlais de quelque chose de spécifique peut-être à White House Oui, alors justement, pendant ces sessions de torture, hein, ce n'était pas seulement le viol, enfin seulement entre guillemets, mais il y avait aussi des stations de torture. Et c'était en bas ou c'était... C'était en bas. En ça, bas, c'était donc en bas. C'était sous-sol, le sous-sol. Oui. D'accord. Oui, oui. Mm-hmm. Et là, ils ont... pendant ces sessions de torture, ils m'avaient donné des ordres aussi. Et un des ordres, c'était justement d'aller dans un... Enfin, je me suis fait emmener ensuite dans un complexe militaire... Et là, j'ai dû travailler pour une personne qui plus tard est devenue très connue, a eu beaucoup de succès dans la politique. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, cette personne vit encore. Et j'ai dû... j'ai été emmenée dans une grande salle avec beaucoup d'ordinateurs. Je me souviens encore, et c'était des ordinateurs qu'on voit aujourd'hui. Hein, c'était, ils ont, je ne sais pas, moi, 20, 30 ans d'avance par rapport à ce que nous, on voit aujourd'hui. D'accord. Et là, j'ai dû donner les codes dans ces ordinateurs. Et c'était des codes que j'avais reçus avant, pendant les sessions de torture. Parce que pendant ces sessions de torture, il faut s'imaginer, on en arrive à un point, on a tellement de douleur que... Il y a tout qui se vide. C'est un moment, il y a tout qui se vide. Et dans ces moments de vide, c'est comme si c'était une page blanche. Oui. Qu'on ne sait plus rien, on oublie tout. Ouais. Mais on est quand même une personnalité, il y a quand même encore quelqu'un qui est là. Mais ce quelqu'un qui est encore là, c'est une personne qui ne sait rien. Et alors, on peut tout lui dire. Et tout, on peut lui dire un autre nom. On peut lui dire, par exemple, ouais, tu t'appelles comme ça, ou bien t'es un homme, ou bien t'es un animal, ou quelque chose comme ça. Et maintenant, on te donne encore ce code. Et ce code, tu vas le mettre dans cet ordinateur à tel et tel endroit. Voilà. Voilà. Et c'est tout ce qu'on sait à ce moment-là. Parce D'accord. que tout le reste, c'est oublié. Tout le reste, c'est dans la douleur. Et avec ce qu'on sait...
J'ai dû aller là-bas, et j'ai dû mettre ces codes dans ces ordinateurs. Et à ce moment-là, on me disait, oui, ben justement, que je suis en train de faire la guerre avec tel et tel, que je suis en train de faire couler des bateaux. Ah, d'accord. Alors, on t'a utilisé alors que tu savais rien, dans un sens, tu étais esclave. Oui. Et donc, mettre des codes qui, en fait, ont de l'impact extrêmement destructif. Alors, si c'était la vérité, oui. Je peux pas savoir. Ou même peut-être qu'on me le disait simplement pour me faire mauvaise conscience. Oui. Parce que je me disais, bon, j'avais quand même l'âge pour savoir que si un bateau coulait, ben sur le bateau, il y avait des personnes et que ces personnes étaient en train de mourir. Donc, j'avais quand même cet âge-là pour réaliser ça. Oui. Si c'était vrai, je sais pas. Mais en fait, c'est ce qu'on me disait. Oui. Mais en tout cas, j'étais utilisée pour quelque chose dans ces grandes salles d'ordinateurs qui étaient sur des bases militaires à quelque part en Amérique. Voilà. Et c'était sûrement pas pour quelque chose de bien, en tout cas pas. Oui. Mm-hmm. Et est-ce que tu te rappelles par hasard comment le trigger pour, par exemple, tu as décrit très bien comment se fait... Dans le mind control, une personnalité, une nouvelle personnalité, mm-hmm. il y a tellement de douleurs, alors tout se vide. Mm-hmm. Et là, on utilise cet état pour créer une nouvelle personnalité. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, il y a aussi des façons pour en fait faire sortir cette personnalité. Voilà, ce sont avec des déclencheurs, hein, des triggers, des déclencheurs, oui. Parce que, justement, dans ces moments de vide, justement, on peut tout programmer à l'intérieur. Oui. Hein, c'est comme un disque qui est complètement vide. Oui. Et c'est ce qu'ils utilisent, donc, après, pour former une nouvelle personnalité, pour former un nouveau alter. Et ils utilisent des triggers, justement, des déclencheurs. Et ça, c'est aussi souvent par rapport à... Je dirais la personnalité intérieure qu'on a avec la personnalité qu'on vient au monde. C'est souvent aussi qu'ils regardent, bon, bah, comment est-ce que fonctionne cette personne. Ah, alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme déclencheur? Et c'est comme un code ou c'est comme un bouton sur lequel ensuite ils peuvent peser dessus et tant, il y a une autre personnalité qui remonte. D'accord. Hein? Ouais. Et ensuite, c'est un autre bouton. Après, ils ne le veulent plus, ils le remettent dans la boîte. Et il appuie sur un autre bouton et poing, c'est ensuite l'autre personnalité qui vient. Et cette personnalité, ils ont besoin pour les ordres militaires. Cette personnalité, ils en ont besoin pour le sexe avec telle et telle personne politique. Et cette personnalité peut-être encore pour autre chose, pour le trafic d'enfants ou comme ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils programment une personne comme quand quelqu'un programme un ordinateur. Oui, et est-ce que par hasard, tu te rappelles de trigger pour, par exemple, cette personnalité qui avait cette code? Est-ce que... Oui, il y en a certains que je me souviens, oui. Il y en a certains que j'ai décrits dans mon livre. Oui, je veux en parler, oui. Mm-hmm. Mais je veux juste peut-être un petit exemple. Comment, pour toi, par exemple, quel était ton trigger? Quel était ton bouton? Alors, un tout petit exemple, mais ça, c'est un des petits qui avait à voir avec ma personne. C'était, je joue du piano, par exemple. Je joue du piano. Oui. Et j'ai beaucoup aimé aussi jouer pour moi. Et ensuite, on m'a fixé ce déclencheur, la note La, donc A. En allemand, je ne sais même pas comment c'est en anglais, mais c'est en français, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Le la, donc à chaque fois que je jouais du piano pour moi seul et que j'appuyais cette note, cette touche-là sur le piano, je partais en hypnose. Donc, par moi-même. C'est clair que c'est un programme, hein, c'est clair que c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Oui. Mais je partais en hypnose moi-même. Donc là, je m'éduquais moi-même. Et si ça m'arrivait, par exemple, avec des autres personnes et qu'il y avait un malfaiteur ou un criminel qui était à côté de moi à ce moment-là, alors c'était comme, à ce moment-là, il pouvait me ramasser pour autre chose. D'accord. Oui. Ou bien, un des déclencheurs aussi, donc mes parents éducateurs, là, ils m'avaient prénommée Liliane. Ce qu'aujourd'hui, je pense que ça a à voir avec le nom Lily, Lilith,
qui est aussi un esprit de magie sexuelle. Oui. Et une phrase déclencheur pour moi, c'était « Viens, Liliane, on s'assied sur le canapé ». Tellement banal. C'est tellement banal et c'est quelque chose qui se produit tous les jours. Oui. Mais pour moi, ça voulait dire « Ah, maintenant, il va falloir que je sois servante sexuelle ». Alors, je changeais à ce moment-là une personnalité et j'étais l'esclave sexuelle à ce moment-là. Oui. Et je m'asseyais sur le canapé pour ensuite, ben voilà, pour me laisser violer, pour me laisser abuser. Ça, c'était tout à fait normal. Et si il y avait l'abuseur qui était à côté de moi, alors ça continuait justement dans l'abus, dans le viol. Si la personne qui me disait ça n'avait aucune conscience que c'était un déclencheur, eh ben, elle pensait peut-être, oh, mais c'est un petit peu bizarre comment est-ce qu'elle se comporte maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mm-hmm. Mais voilà, mm-hmm. Rien d'autre ne s'est passé. Avec le temps, je ressortais et je ressortais de ma cage. Ouais, c'est comme des cages de personnalité et la vie de tous les jours continuait. Et c'est comme ça que ça se fait. Et ça peut être vraiment des choses vraiment banales. C'est comme ouvre voir le frigo, ou bien j'ai soif, ou bien comme ça. Ouais. Ouais. Oui, je sais qu'il y a un grand trigger pour... tu appelles ça les éducateurs, the handlers, pour les esclaves. C'est surtout mâle sur femelle, les esclaves femelles, c'est trust me. Trust me. Trust me. Oui. Ouais. Bien sûr, oui. Et là, bien sûr, on entend ça partout. Hein? Trust me. Alors, il y a dans ton livre quelque chose que moi, j'utilise, je fais la référence très souvent, mais c'est donc simplement une petite liste. Mais c'est en fait les codes des couleurs et ce que ça veut dire, en fait, pour, dans le réseau, pour... pour en fait faire la même chose avec les victimes. Et là, ça commence avec la couleur pourpre, qui veut dire... Silence. Ouais. Dans les réseaux. Ouais. 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 Tu restes silencieuse, tu dis rien. C'est un très grand code. Il y a beaucoup qui se fait pour faire en sorte qu'on ne va jamais parler. Hein. Oui, oui. En fait, ces couleurs, ce sont des programmes. Oui. Ce n'est pas seulement des triggers ou bien des déclencheurs. Ce sont le programme violet ou le programme bleu ou le programme vert. Et dans ce programme, ce sont des choses justement qui se répètent toujours et toujours. Par exemple, pour le violet ou le pourpre, là, ce sont des programmes qu'ils répètent toujours et toujours et toujours pour garder le silence. Comme des choses, ça a souvent à voir avec qu'ils mènent les victimes très près de la mort. Donc, je ne sais pas, être enterrée, vive, jusqu'à ce qu'on n'arrive pratiquement plus à respirer. Et au dernier moment, juste avant la mort, ils ressortent les victimes. Ou bien... dans le waterboarding, voilà, des choses comme ça. Et des tortures comme ça, donc c'est quelque chose qui est toujours et toujours et toujours répété. Et c'est pour garder le silence. Et ensuite, c'est peut-être, ça se passe peut-être dans un environnement violet. Hein? Et ensuite, on dit peut-être aux enfants, écoute, chaque fois que tu vois la couleur violette ou comme ça, eh ben, ou bien des personnes qui portent un t-shirt violet ou quelque chose de violet, eh ben, voilà, c'est pour te dire que tu dois garder le silence, tu n'as pas le droit de parler. Et c'est tellement endoctriné. C'est pas, justement, je parlais d'éducation avant, mais c'est de l'endoctrine. C'est tellement endoctriné qu'on réagit automatiquement à ça. Automatiquement. C'est plus quelque chose qu'on réfléchit. Donc, la couleur violette, tac,
silence. Et en plus de ça, si on avait réussi ce programme, si eux, après, ils ont décidé qu'on était assez silencieux, eh ben, ils nous offraient quelque chose de violet. Donc, souvent, ce sont des pierres précieuses, des améthystes. Les améthystes. Et ensuite, alors les améthystes, eh ben, ils étaient déposés dans tout l'appartement, partout. Voilà. Donc, en fait, on entrait à quelque part dans un appartement, dans une maison de ces personnes du culte. Et il y avait toujours ces programmations, toujours ces... Oui, ce sont à ce moment-là aussi des déclencheurs. Ouais, des colliers, des choses comme ça qu'on portait. Mm. Et cette programmation volait, justement, c'était tais-toi, c'était le silence, c'était la première programmation qu'il fallait réussir. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur pour mon livre. Ouais. Avec le titre en anglais Speaking Out. Donc en allemand c'est Ich rede. C'est vraiment justement aujourd'hui je fais le contraire. Oui, très, très, mm-hmm. beaucoup. Tu fais exactement le contraire. Voilà. Et je veux aussi, reconnaître encore le courage que ça prend pour toi pour parler. Parce que. À cause de tout, bien sûr. Je crois que c'est le secret le plus important de ces jours et aussi la raison pourquoi le monde est comme il est à l'instant, à cause de cette structure de pouvoir qui est maintenue à cause de cette secte sataniste et de comment on garde le pouvoir dans ces cultes. Qui est le culte du monde, en fait. Avec moi, en Belgique, ce qu'on faisait souvent, c'est de... Bon, on est forcé de faire du mal. On est forcé de tuer. C'était très grand dans mon éducation en Allemagne de mind control. Mais... en Belgique, c'était fait surtout pour qu'on se sente des abuseurs. Mmh. On sait qu'on est un abuseur nous-mêmes, alors bien sûr, on ne va jamais parler parce que c'est nous les abuseurs, c'est nous les impliqués. C'est ça, oui. C'est ça. On est en sorte, on est victime, mais en même temps, ils font de nous des criminels, des malfaiteurs. Et voilà, et c'est justement à cause de ça que la plupart ne parlent pas. Parce que c'est vrai, nous, hein, on en parle, et ben on est obligé de parler des deux côtés. Enfin, moi, je me sens obligée de parler des deux côtés, pas seulement que j'ai été victime, mais qu'effectivement, j'ai dû maltraiter d'autres personnes. Et ça fait partie de ce système maléfique, de ce système satanique, de ce système vicieux. De ce cercle vicieux, on n'arrive pratiquement pas à en sortir. Et c'est aussi une des raisons pourquoi on n'arrive presque pas à en sortir. Et c'est une des raisons pourquoi très très peu de personnes en parlent. Parce que quand on commence à en parler, et tu le sais toi-même, tu as commencé il y a des années en arrière. On s'accuse soi-même aussi et on risque vraiment gros. On risque vraiment, vraiment gros. Non, toi, tu risques beaucoup plus que moi parce que moi, je suis sortie à l'âge de 11 ans, j'étais en hors du réseau. Mmh. Oui, moi, ça a duré plus longtemps. Oui. Ouais. Donc, j'ai des mémoires. Enfin, j'ai eu une pause à 35 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 52. J'ai eu une pause à 35 ans parce que j'ai réussi à me séparer donc de mon ex-mari à l'époque qui était justement mon bourreau aussi en même temps. Et là, j'ai eu une pause, disons, je n'ai plus dû servir au culte. On m'observait, on me gardait sur la voie. J'ai eu des personnes que je considérais comme des amis, mais qui en fait étaient là pour m'observer, pour voir si j'en parlais, si j'avais des souvenirs ou comme ça, qui me gardaient sur cette voie. Mais je n'ai pas eu
je n'ai pas été violée ou des choses comme ça. Puis moi-même, je n'ai pas dû servir le culte. Et ça a recommencé plus tard, quand j'ai eu mes premières mémoires, quand j'ai commencé à en parler. Ah. Et là, ils ont réessayé. Mais bon, j'étais déjà très, très loin aussi dans mes mémoires. J'étais déjà très, très présente. Ouais, et là, il y a eu quelques choses qui se sont passées qui étaient très, très difficiles. Car en fait, ils ont essayé de me faire taire. Bien sûr. Mm-hmm. Mais aussi, le fait que tu te rappelles, déjà, il ne faut pas. C'est vrai, tu as toute cette programmation de suicide et mm-hmm. d'autres programmations, ce n'est pas vrai. La programmation grise, je sais pas, ça peut pas être vrai. Voilà. C'est une programmation voilà. aussi. Mm-hmm. Et puis il faut que je me tue. Tu as ces impulses de tu conduis la voiture, tu as envie tout d'un coup de te mettre sous un camion qui arrive, ouais. de te jeter du pont ou quelque mm-hmm. chose comme ça. Mm-hmm. Des impulses comme ça que tu dois complètement toujours t'arrêter pour voir. Mais c'est de la programmation. Chaque fois que j'ai une nouvelle mémoire, ça fait partie de mm-hmm. de cette mm-hmm. programmation. Alors, moi, j'ai ça. Alors, toi, en plus, tu avais des personnes de l'extérieur, du réseau, qui, en fait, t'ont menacé, qui t'ont... Voilà. Mm-hmm. Oui. Qui m'ont menacé, moi, donc, directement, mais aussi des personnes qui m'étaient proches. Bien enfin, sûr. Qui me sont proches. Oui, bien sûr. Oui. Mm-hmm. Désolée. Oui. Très dur. Mm-hmm. Très dur. Alors, voilà... Encore, le courage. Le courage que tu as de parler de ces choses, de pas seulement est-ce que tu parles, est-ce que tu te montres, mais aussi tu parles très librement, tu as la capacité d'expliquer aussi. C'est très, très, très important. Merci. Oui. Avant, tu avais mentionné donc le rôle, ton rôle dans le réseau de Mother of Darkness. Mm. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer un peu pour peut-être il y a des gens qui savent pas exactement ce que c'est, ce que ça implique et ce que tu as dû faire avec. Mm. Donc. Pour juste un tout petit peu introduire, en fait, je ne savais pas moi-même au départ non plus ce que c'était quand j'ai eu ces mémoires. Et j'ai réalisé que ça devait être un niveau que j'ai dû atteindre. Donc, il y a plusieurs niveaux. J'ai aussi une source dans mon livre que j'ai trouvée. Du côté féminin, il y a plusieurs niveaux à atteindre dans ces cultes sataniques, donc du côté des Illuminati aussi. Mm-hmm, mm-hmm. Et aussi du côté masculin. Les masculins, j'ai vu qu'il y en avait un de plus. Et le niveau que moi, j'ai dû atteindre, c'était le niveau 3. Et ce niveau s'appelle justement Mother of Darkness. Donc, il y a chaque niveau, ou bien chaque... Oui, il y a des autres devoirs à faire pour ces personnes-là. Ou bien ils ont des autres pouvoirs aussi sur le culte. Enfin, ils sont placés à différents endroits. Et cette Mother of Darkness, donc, je peux seulement dire, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai dû faire, c'était l'éducation d'autres enfants dans ce culte satanique. Donc j'étais... Comme j'ai dû prendre le rôle d'une mère, effectivement, d'une maman, mais dans le sens très pervers, très pervers. Donc, par exemple, ce que j'ai dû faire, c'était que j'ai dû leur apprendre ce qu'on m'avait appris à moi-même aussi. Par exemple, j'ai dû les préparer pour qu'ils puissent, enfin, pour que leur corps puisse être abusé sexuellement plus tard sans qu'on laisse de traces. Ou bien avec le moins de traces possible. Et c'est-à-dire, quand on parle de ça, quand on parle de petite fille, par exemple, on parle de bébé. On parle de bébé, on parle de nouveau-né. De nouveau-né. On parle de nouveau-né,
et des petits-enfants, voilà, on parle vraiment de nouveau-nés, où on commence à leur introduire des choses dans le vagin, par exemple, pour que ça s'écarte un peu plus vite, un peu, voilà, pour que le vagin s'habitue à... avoir des objets dedans. Voilà. Voilà, et de plus en plus grand, par exemple. Et en fait, ce qu'on m'avait fait à moi, j'ai aussi dû le faire après à des petits-enfants. Et c'est comme une hiérarchie, hein. C'est les enfants qui sont un peu plus âgés le font plus petit, et etc. Donc pendant que moi, je faisais ça au plus petit, quand j'avais peut-être 10-11 ans, en même temps, je me faisais abuser par des enfants qui étaient... des adolescents qui étaient plus âgés que moi. T'es une petite Mother of Darkness qui était plus âgée que moi. Voilà, exactement. D'accord, voilà. C'était une chaîne. C'est une chaîne, voilà. Donc, c'est pas seulement donc, les bourreaux, donc c'est pas seulement les personnes adultes. Donc, c'est vraiment c'est un système qui, en soi, dans le sens perverse, se servent toujours l'un et l'autre. Hein. Oui. Ça marche comme une roue. Oui. Et voilà, donc ça, c'est une des choses que j'ai dû faire. Et j'ai dû leur faire beaucoup, beaucoup de mal. J'ai vraiment dû faire beaucoup de mal. Et en même temps, après, je devais les consoler. Et c'est aussi ce qui amène une perversité. Ça amène une dissonance. C'est très destructif à l'intérieur d'un enfant qui se fait maltraiter par une personne et en même temps, c'est la même personne qui après, voilà, qui s'occupe d'elle. Donc, je les consolais. Il y a certains enfants que je soignais plus tard, quand j'étais un peu plus âgée, je devais les soigner. Donc, j'avais des pansements, j'avais des médicaments, j'avais des pommades, comme ça. Petite infirmière, j'étais, voilà. Hein? Et je les encourageais, mais je les encourageais dans le sens de « Allez, tiens bon, ouais, tu vas réussir, tu vas pouvoir, bien sûr que tu vas, je sais pas moi, pouvoir faire la pipe à cet homme, etc. Tu vas réussir, oui, t'es encore toute petite, mais t'es déjà grande, t'as déjà beaucoup appris. » Je les encourageais dans ce sens-là. Et ensuite, quand elles retournaient, puis qu'elles étaient mal, qu'elles étaient peut-être blessées autour de la bouche ou comme ça, je les soignais. Pour qu'ensuite, quelques jours plus tard, elle puisse de nouveau aller au C. C'est horrible. C'est... Non, je comprends. On raconte ça comme ça, mais c'est... Voilà. Ouais. Bon, bien sûr, et tu dis que c'est très destructif pour les enfants, mais je crois que c'est autant destructif pour toi. Oui, oui. Oui, parce que moi, j'ai vécu exactement la même chose. Donc, c'est ce dysfonctionnal qu'ils font. Ça fait partie de ce système, de cette éducation, de cette destruction, ou finalement aussi autodestruction. Tout le monde s'autodestruit soi-même aussi après. Oui. Et voilà, c'était mon rôle dans tout ça. C'était surtout avec les enfants. Et ce que j'ai aussi dû faire, là, je n'en parle pas vraiment dans mon livre, mais ce que j'ai aussi dû faire, c'est que quand il y avait des enfants qui venaient dans le culte, donc des nouveaux venus. Des nouveaux venus des familles. D'autre part, par exemple, des enfants qui ont été emmenés dans le culte. Donc, avant, on parlait de tout petits bébés, mais il y en a aussi des qui sont peut-être en très bas âge. Qui sont emmenés dans le culte, ou bien des enfants qui ont été... que c'est des mamans qui étaient dans le culte, donc des breeders, on dit en anglais, qui étaient enceintes et qui ont dû donner leur enfant dans ce culte. Donc ça m'est arrivé à moi-même aussi. J'étais beaucoup, beaucoup de fois enceinte et les enfants m'ont été pris pour ensuite être utilisé dans ce culte. Et je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas où ils sont actuellement. Ouais, je suis désolée. Oui. Donc, des enfants comme ça, on en avait aussi tout un tas, des petits. Et j'ai dû les examiner. J'étais infirmière, une petite infirmière. Plus tard, aussi infirmière dans ma vie quotidienne. J'ai dû les examiner. Et j'ai dû... En fait, j'ai dû faire le tri de ces enfants parce qu'il y a des enfants qui sont beaucoup plus aptes à dissocier que d'autres. Alors, j'ai dû leur faire certains tests, des tests horribles,
pour voir s'il dissociait, s'il dissociait vite, et la façon comment il dissociait, pour ensuite justement faire le tri. Donc ces bébés-là seraient bien pour cette éducation, pour ce genre de choses, pour grandir, pour atteindre quelques niveaux. Il y en a des autres qui ça n'allait pas du tout, donc peut-être qu'ils seraient sacrifiés aussi, parce qu'il y a beaucoup aussi de sacrifices qu'ils ont fait. Là où j'ai grandi, des sacrifices pour leur dieu qu'ils appelaient Satan. Ils faisaient des offrandes et des sacrifices, c'était aussi des petits-enfants, des bébés. Donc voilà, j'étais au triage. D'accord. J'étais au triage, oui. Oui, alors comme ça, c'est ta responsabilité, c'est pas le leur. C'était ma responsabilité, oui. Ce sont mes mains que j'ai dû utiliser pour coupable, faire. Coupable. Alors pour le silence, bien sûr, tu vas jamais dire ça. Oui, bien sûr. Et c'est aussi une de ces choses que tu ne vas jamais révéler ça. Pour c'est quelque ce chose pense. Que ouais, c'est ce qui... si c'est même si tu te faisais abuser, c'est pas quelque chose qu'on va dévoiler comme ça en public pour attirer de l'attention. Mais alors là, les choses qu'on a dû faire dans le réseau que on voudrait jamais de notre vie faire. Mm-hmm. Mais on a fait quand même, parce qu'on était sous pression inhumaine, alors que quand même d'en parler, parce qu'on veut que la vérité sorte, et qu'on sait même ça. Oui, moi j'ai fait ça, j'étais un enfant, sous du reste, j'ai pas eu le choix, j'ai dû le faire, mais j'étais aussi, tu étais aussi complètement... indoctrinée, c'était peut-être une partie de toi qui faisait ça, qui était très bien en faire ça. C'est pareil pour moi, pour avoir dû tuer. J'ai même eu un peu un rôle similaire pour un tout petit peu, pour trouver, je devais trouver aussi les petits artistes aussi, les encourager, mais de les trouver aussi pour avoir l'œil. Et de les ramener. Donc, un tout petit peu, parce que ça n'a pas duré longtemps pour moi, mais un tout petit peu, ça commençait. J'aurais dû, si je serais restée, sûrement ça aurait été beaucoup plus important plus tard, cette Mother of Darkness, le rôle. Donc quand on dit Mother of Darkness, c'est le Castle of Mother of Darkness, est-ce que tu penses que ça s'appelle comme ça? Parce que c'est là où on fait le triage. Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ce château, on l'appelle comme ça. Je ne sais pas. Mais je peux dire, effectivement, là, je fais une révélation, effectivement, que j'ai dû faire ce genre de triage là-bas dans ce château. D'accord. Aussi là-bas dans ce château. Oui, d'accord. Ouais. D'accord. Alors tu étais plusieurs fois. Oui. Ou bien souvent. Oui. Souvent même. Très intéressant. Donc il y a un château en Belgique et il y a quand même là il se passe certaines choses qui appartiennent au réseau, mais c'est très spécifique ce qui se passe là. Et c'est pas partout que ça se passe. Non plus. Non, d'accord. Non. D'accord. Et d'ailleurs, je pense même que ce titre, hein, Château Mother of Darkness, c'est comme une sorte de couverture pour eux. Parce que les gens, ils rigolent un petit peu. Hein, ils trouvent peut-être un petit peu, des histoires horribles là-bas, peut-être. Il y a des légendes un peu, sexe et crime, un peu comme ça, voilà. Et puis, ils ne prennent pas au sérieux. Et moi, je crois vraiment que grâce à ça, justement, c'est leur couverture et c'est grâce à ça qu'ils ont pu faire ça pendant des années. Si aujourd'hui, ils font encore des choses comme ça là-bas, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais l'époque où moi, j'étais plus jeune, alors oui, justement, c'était utilisé pour ce genre de choses. D'accord. Donc merci pour avoir parlé de ça, parce que je sais que c'est pas facile non plus.
Et oui, c'est pas des sujets faciles, de toute façon. Donc encore, grand merci pour parler de ces choses-là. J'ai encore une question. C'est quelque chose que tu as déjà parlé dessus. Mais j'ai marqué un tout petit peu les choses qui sont dans ton livre. Donc, il y a, bien sûr, tu écris aussi très bien de cette chasse au château des Amérois où il y avait toi et Marc et le rôle que Marc a eu après dans ta vie et tout, le training. Il y a des choses très spécifiques, des rituels très spécifiques où tu te rappelles très bien des victimes. Et où tu as décrit, que tu as écrit dans ton livre, qui, oui, c'est vraiment très extrême et c'est très dur d'avoir les détails des meurtres des enfants, de la torture et les meurtres des enfants. Et tu les as mis dedans. Et puis finalement, il y a quelque chose que tu as déjà parlé dessus, que tu décris aussi dans le livre. Et là, ça s'est passé à Sagrada Familia, à Barcelone. Et là, tu avais un certain âge, je pense. Oui, 16 ans. 16 ans. Et est-ce que tu pourrais parler de cette expérience? Est-ce que tu pourrais partager cette expérience avec cette audience ici? Oui, alors, justement, j'avais 16 ans à l'époque. Et ça devait être la fin de ma formation, entre guillemets, ma formation comme Order of Darkness. Donc, c'était férié, c'était une fête qu'on avait organisée. Mais en même temps, c'était aussi une fête organisée qu'on prénommait mariage avec Satan. Donc, voilà, c'était comme une... comment dire, l'introduction finale que j'ai eue après dans ce culte satanique. Donc, j'avais réussi, j'avais passé tous ces examens, tous ces différents examens. À partir de 6 ans, donc ça fait 10 ans. 10 ans. 10 ans. 10 ans d'instruction. 10 ans d'instruction, ouais. Et donc, à 16 ans, en fait, j'avais fini ma formation. Et... J'étais emmenée à Barcelone pour... oui. Alors, je ne sais même pas trop comment commencer tout ça, parce que c'est assez difficile. Voilà, justement, c'était le mariage avec Satan, en fait. Avec toi, donc toi, moi, tu es la personne qui était célébrée, là. Voilà, j'étais là, voilà. Et il y avait une autre personne... qui avait pris le rôle de Satan. D'accord. Et c'était une personne connue à l'époque. C'était l'Autrichien. L'Autrichien, voilà. Ouais. Et tu l'as nommé avant. Je l'ai nommé dans une interview. Oui, il s'appelait Peter Alexander. Une personne très connue, avec beaucoup de succès, du côté allemand, allemand. Et d'ailleurs, on était assez proches aussi avec certaines personnes de la famille. Donc, c'était... Ah, d'accord. Voilà, c'était une personne qu'on connaissait. Voilà, donc en fait, c'était organisé un peu comme un mariage. Donc les gens étaient habillés comme un mariage, très bien habillés. Ah d'accord. Il y avait des personnes que je ne connaissais absolument pas, mais il y avait aussi beaucoup de personnes du VIP, donc des personnes qu'on connaît de la télévision, du cinéma, de la politique, enfin des personnes très très connues. Et c'était dans l'église même, c'était pas au sous-sol. C'était dans l'église même, donc c'était dans la Sagrada Familia. Oui. Et Sagrada Familia, normalement, il y a beaucoup de gens qui visitent et tout ça. C'était dans la nuit ou... C'était la nuit. C'était pendant la nuit, donc, oui. Je suppose, premièrement, que c'était fermé. Et je suppose que
Enfin, ces personnes qui sont tellement célèbres, ils peuvent louer cette Sagrada Familia pour une nuit ou comme ça. Je pense que ça doit pas être un problème. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé. C'est pas moi qui a loué cette Sagrada Familia, mais voilà, je m'imagine que ça a dû se passer comme ça. Et donc, c'était la nuit, oui, et c'était organisé comme une fête de mariage. Et les gens bavardaient et tout. Et là, j'ai entendu plusieurs conversations et j'ai reconnu aussi plusieurs personnes. Enfin, sur le moment, je les connaissais pas. Je savais pas que j'étais au milieu de gens qui étaient connus. J'ai connu. Tellement connu, voilà. Ouais, ouais, j'ai réalisé ça beaucoup, beaucoup d'années plus tard. Ouais. Et tout d'un coup, j'ai entendu mon nom et j'ai dû monter en haut sur l'estrade. Enfin, il y a quelques marches d'escalier qui montent et il y a un hôtel. L'hôtel, oui, voilà. Mm-hmm. Et tu étais habillée en blanc? Non, j'étais habillée en rouge. En rouge, bien sûr. Ouais, en rouge. Rouge dentelle. Oui. Rouge dentelle. Mm-hmm. Oui. Ouais. Et justement, il y avait cette Peter Alexander qui jouait Satan, donc qui jouait en fait l'homme que j'épousais à ce moment-là. C'était un rôle qu'il avait pris. On m'a invité à monter là-haut et ensuite ils ont emmené une femme qui était un peu plus âgée que moi, mais qui portait exactement la même robe. Donc aussi ce rouge dentelle. Ok. Et cette femme, elle était enceinte. Très jeune alors. Très jeune. Un peu plus âgée que toi, mais ça veut dire. Je pense qu'elle était 18 ans. 20 ans. Je ne peux pas. Peut-être d'accord. 20, comme ça. D'accord. Je ne peux pas très dire exact. Très jeune, oui. Elle est enceinte. Et je ne veux pas aller dans les détails maintenant. Non. Mais d'accord. En fait, oui, merci. Ils l'ont posée sur cet autel. Et. Ce Peter Alexander m'a conduit ma main pour que j'ai dû sacrifier cette femme et cet enfant. L'enfant voilà. dans son ventre. Voilà, exactement. Oui. 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 Et donc, toute cette personne-là qui était là, ils étaient en train de fêter. Ils étaient en train et de ça fêter. Ça faisait partie de la fête. Ça faisait partie de la fête, oui. Oui, mais je suppose qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas venues volontairement ici à cette d'accord. fête, entre d'accord. guillemets, je suppose. Oui, 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 oui. Donc, il y a eu des personnes qui ont été vraiment, comme moi aussi, emmenées de force. Mmh. Mmh. Des personnes connues qui étaient emmenées de force quand même, qui étaient voilà. contrôlées complètement. Mmh. Tu en as parlé un petit peu, mais d'autres... Tu as nommé plusieurs personnes de Hollywood et tout ça, même pas peut-être des noms de l'écran, du grand écran, mais connus quand même, bien connus quand même. Et ou puis... connus plus tard. Hein. Ou connus plus tard. Connus plus tard, parce ouais, que ça, ouais. c'est aussi une chose hein, qu'ils font, en fait, les personnes... ils leur promettent ensuite le grand succès. D'accord. Alors, tu dois faire partie d'abord. Tu dois faire partie d'abord et ensuite, tu as le grand succès. D'accord, oui. Et tu n'as pas le droit d'en parler parce qu'après, ton succès, il est ruiné. Hein. D'ailleurs, on a des photos, ils ont des photos, ils ont des films, ils ont tout, hein, ils ont tout le matériel. Ça serait bien de sortir un peu de ce matériel. Oui, très bien, oui. Qu'on peut tout savoir, ouais. Mais d'accord, oui. Donc, de toute façon, ça fait partie. Ils ont d'autres matériels. Généralement, ils ont d'autres matériels sur eux, plus personnels, plus privés. Alors que ceci, ils sont obligés de faire partir. Et il y en a plusieurs qui, dans mon expérience aussi, qui sont là volontairement. Oui. Et qui sont complètement perdus, quoi. Et d'autres qu'ils ne veulent pas vraiment. Mais ils vont le faire quand même, ils vont dissocier aussi. Oui, ouais. Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont dissociés. Oui. Je pense qu'il y en a beaucoup, oui. Et est-ce que tu as un sens de combien de personnes étaient là? Alors, devant cet hôtel, enfin juste en bas, je pense qu'il y en avait peut-être autour des 60.
D'accord. Mais c'est bien possible qu'à l'arrière, il y avait encore beaucoup plus de personnes. Mais je veux dire, avec les personnes avec lesquelles j'avais affaire, où au début, j'étais entre elles, et puis qu'on parlait, et puis qu'on buvait un petit verre et tout, je pense qu'il y en avait autour des 50 à 60. Quand même, ouais. Quand même. Oui, oui. C'est un grand nombre. C'est un grand nombre, oui. 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 Et ensuite, ben voilà, c'était pas seulement ça, bien entendu. J'ai aussi vécu ben, le viol horrible et l'abus. De beaucoup. Donc le viol aussi. Alors après que tu étais mariée avec Satan, soi-disant, tu t'es livrée, on t'a livrée pour en fait que tu sois violée par les personnes qui étaient là. Oui, par certaines personnes, hein. Pas toutes les personnes, mais certaines personnes, oui. Sur l'autel ou est-ce que c'était plus privé après? Non, c'était sur l'autel. Sur l'autel, d'accord. Enfin, la femme qui venait de mourir avant, donc, elle était encore là et on m'a couché pratiquement à l'intérieur parce qu'elle avait été vidée de ses organes. Et... Aïe. Voilà. Et donc, les personnes qui t'ont violée, ils ont bien aimé qu'il y a un corps qui vient de une jeune femme qui vient de se faire tuer et tu te mets dans le sang, tu es complètement couverte de sang et puis ça ne leur gêne pas de le faire en public, comme ça, complètement dingue. On comprend plus, quoi. Je pense que ça a aussi un arrière religieux. Donc là, c'est comme la religion dans le christianisme où on dit qu'on est mort avec Jésus, on se relève ensuite vivant avec Jésus. Et d'ailleurs, au-dessus, il y avait ce Jésus qui était à la croix. Et donc, je pense que l'endroit était vraiment bien choisi. Et je pense que ça a quelque chose de religieux aussi. D'accord. Dans tout ça. Donc, c'est le christianisme qui est perverti à ce moment-là. D'accord. Mm-hmm. Et donc, le satanisme, à ce point-là, c'est des gens qui croient que Satan leur donne, en fait, leur pouvoir et toutes les choses qu'ils veulent dans la vie, c'est à cause de Satan. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'ils se donnent à n'importe quoi comme ça. Complètement, elle se donne. D'accord. Ça, ouais. Oui. Oui. Et le plus perverti que c'est, le mieux que c'est pour eux. C'est ce qu'il me semble, oui. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de limite, là. Non, non. Et d'ailleurs, c'est un petit peu comme un concours entre eux. Hein. C'est plus tu es... perverti, plus tu montes l'échelle, quoi. Ah. Donc, ouais, j'ai des exemples de mon père, donc il imaginait toujours encore quelque chose de plus méchant et de plus perverti, et s'il arrivait à le prouver, alors il montait un petit peu l'échelle. Et ça, c'est aussi un des systèmes, donc celui le plus haut placé, c'est un des plus... perverti, finalement, celui-là, il n'utilise plus ses mains, donc il dit aux autres de faire ce que lui, il aimerait faire. Mais voilà, c'est comme une échelle, c'est comme un concours entre eux. Mais ça, c'est une échelle qui existe seulement dans le réseau, ou est-ce qu'on le voit aussi dans la vie extérieure? Ça, c'est une chose qu'on voit aussi dans la vie extérieure. Avec ton père, alors, voilà, tu disais que c'est un mécanicien. Mm-hmm. Elle a toujours été mécanicien. Il est resté mécanicien. Il est resté mécanicien, mais il a fait aussi de la vente, mais c'était toujours dans ce contexte de mécanicien. Ouais. Et donc pour lui, dans la vie extérieure, il n'y avait pas beaucoup de c'était. Où est-ce qu'il... Je veux comprendre comment il a eu son pouvoir, comment il s'est senti bien, qu'il a gagné, qu'il a réussi, comment il s'est senti comme ça. Tu disais que
Peter Alexander, il était connecté avec ta famille. Alors, c'est peut-être une de ces choses que ton père, parce qu'il a bien fait, parce qu'il est allé très loin, est-ce qu'il a alors donc été introduit à Peter Alexander dans ce sens-là, et puis il pouvait dire que c'est mon ami, quelque chose comme ça? Je pense que, c'est, que ça pourrait être une bonne raison, oui, mais je ne peux pas, vraiment pas te dire comment est-ce que mon père se sentait. Je ne peux pas te dire. C'est une personne que je ne... Je n'arrive pas à le comprendre. C'est, enfin, vu de l'extérieur, oui, de sa vie extérieure, c'est quelque oui. chose, c'était, c'est une énigme. C'est quelque chose de... Voilà, c'est comme un poisson. C'est, voilà. Mais est-ce que vous étiez riche, par exemple? Ou est-ce que peut-être pas quand tu étais petite, mais après, est-ce qu'il est devenu riche? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Alors, la vie extérieure, non, il n'était pas riche. Et c'est quelque chose qui m'a souvent fait réfléchir parce que ça connecte absolument pas. Parce que beaucoup de gens, enfin voilà, normalement on devient riche parce que ça va avec de l'argent et tout. Mais plus tard, j'ai entendu des rumeurs sur lui, aussi de certains voisins et tout. Et je pense que oui, effectivement, il avait beaucoup d'argent, mais il l'a pas dépensé pour nous. Nous, donc nous, je parle de mes frères et sœurs, on nous a laissé pratiquement dans la pauvreté. Hein. En tant que Suisses, les Suisses qui sont tellement riches, hein, nous, en tant que Suisses, on était pratiquement dans la pauvreté, comparé à d'autres Suisses, donc, hein, pas comparé à des personnes... Où, ouais, oui, dans classe pas. Moyenne. Voilà, exactement. Donc, voilà, il a dû dépenser son argent autre part. Et je pense vraiment qu'il l'a dépensé pour d'autres choses. Ouais. Donc, jusqu'à présent, je n'ai que des rumeurs. D'accord. Voilà. D'accord. Mais, de toute façon, à l'intérieur du réseau, il a été rewarded. Je ne sais pas en français. Rewarded. Il a eu des rewards. Oui. Ouais. Oui. Il a été élevé. Il a été... Oui, oui. Oui. Mais... C'est bien possible, enfin, je pense que c'était quand même une des personnes dans la hiérarchie assez basse. Donc, il était éducateur pour sa petite famille. Hein? Il recevait les directives comment éduquer les enfants dans la famille. D'accord. Dans la famille satanique. Mais il était aussi un père incestueux, alors il faisait toujours... Couvrir, quoi. Il voilà. était protégé aussi. Ah oui, oui. Ah ouais. oui, parce que... Oui, jamais... Oui. Non. Non. Parce qu'on a fait les dépôts de plaintes contre lui. Alors là, effectivement, et oui, il était protégé. Il était protégé, ouais, d'accord. Il était protégé par la justice, par la police et tout. Alors là, il y a des choses qui se sont passées qui ne sont pas normales. Qui ne sont pas... voilà. Alors ça, c'est important parce que c'est le premier niveau. Où on reçoit la protection. On n'a pas dans le réseau, dans mon expérience, j'ai vu, c'est que il dépense rien, sauf si la personne même qui est là en veut, s'ils veulent de l'argent, s'ils veulent du pouvoir, ça dépend. Ça dépend de leur désir. Mais s'ils sont contents avec juste la protection, ils vont avoir ça. En tout cas, la protection, ouais, protection, il l'a eu. D'accord. Alors ça, oui. Et alors toi aussi, l'idée, c'était que tu veux mener une vie complètement normale, infirmière, famille, mais tu étais toujours utilisée en tant que plutôt qu'esclave. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est toi qui n'étais pas... assez active, enthousiaste pour aller plus loin dans le réseau, que tu es restée comme ça, plutôt victime, et finalement tu es sortie. Est-ce qu'on a toujours senti quelque chose en toi que tu ne voulais pas vraiment? Comment est-ce que tu peux en parler de ça? Ça, c'est une question très intéressante. Je sais que j'ai une partie de moi qui a toujours été très rebelle. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont essayé de mettre sous pression. Et moi, je pense vraiment que cette partie rebelle en moi,
comme les autres parties aussi, là, parce que toutes les personnalités, tous les altères servent en fait à survivre. Mais je pense que cet alter de rebelle m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé à survivre et m'aide aujourd'hui aussi, ou bien à aider à m'en sortir et à prendre la décision de faire le pas, ok, j'en parle. Hein? Je ne sors pas simplement et puis je me tais et puis voilà, je trouve heureusement que j'ai réussi à survivre, et puis voilà, mais qui fait que j'en parle aussi, parce que je trouve tellement injuste. C'est... Je trouve pas de mots. Je trouve pas de mots. Voilà. Ouais. Et ça a toujours été en toi? Ça a toujours été en moi. Ça a toujours été en moi. Je me souviens, par exemple, quand je devais descendre à la cave, aller soigner ses enfants qui étaient blessés. Bien sûr, j'étais éduquée comme Mother of Darkness. Oui, c'était mon job. Hein. Mais je me souviens d'un moment très précis où je me suis dit, espèce de... Alors, je vais vous dire une chose. Je me souviendrai de chaque détail. Et un jour, vous verrez, un jour, je reviendrai, puis je dirai tout. Je dirai tout. Je ferai tout exploser. Et ça, je me souviens que j'ai eu des pensées comme ça. Oui. Voilà. Oui. L'allumette, oui. Ouais. Oui, j'aime bien ce symbole d'une allumette, parce que quand on s'imagine une immense salle noire et on allume une seule petite allumette, eh bien, on la voit, on voit cette lumière de cette allumette. Et... voilà, le noir, c'est plus noir. Le noir est parti. Voilà. Et même si c'est une masse, eh ben, cette petite allumette brise cette masse noire. Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine énormément. Ouais. Oui, tu es la lumière. Oui. Merci. Toi aussi. Oui. Ouais. Deux allumettes. Deux allumettes. Ça fait déjà un petit feu. Oui. Hein, il y en a encore plus. Et quand on s'imagine ça... Alors, ça fait un immense feu. Alors, ça fait voilà. Un immense feu. Oui. À la fin. Voilà, alors, je crois que c'était un bon moment pour finir ici cette image de l'immense feu, de cette lumière, mm-hmm. De mettre la lumière dans les côtés les plus sombres mm-hmm. dans ce monde. Pour révéler cette vérité, ces vérités qui sont vraiment très dures à piger, mais en même temps, c'est très, très important qu'on absorbe la vérité, cette vérité, pour pouvoir changer quelque chose. Hein. Voilà. On ne peut rien changer si on veut pas savoir. C'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, je veux encore te remercier. Mille fois, de mon cœur, de tout mon cœur, et aussi dire que, encore, ton courage, vraiment, j'espère que c'est senti, ça se fait sentir, ta force se fait sentir, et j'espère que, aussi, que ce livre, et n'importe ce que Chantal a fait sur YouTube, et sur chaque... chose qu'elle a fait et qu'elle continue de faire, que vous allez la suivre, que vous allez voir, avoir plus d'informations et qu'on puisse mettre la lumière partout. Merci. Merci à toi.